Bonjour, je suis Khalid Sbaï, responsable BIM au sein de la société Les Grands Travaux Routiers, filiale de Colas du Maroc. Je participe dans un panel de discussion dans cet événement pour éclairer nos auditeurs et l'écosystème marocain sur l'importance d'utiliser le BIM et l'approche BIM d'une manière générale dans la réalisation de nos projets d'infrastructure. Donc, Inch'Allah, on va discuter ça en détail pour mettre en valeur les usages BIM et également le mettre en place prochainement et dans les différents types de projets, que ce soit pour le bâtiment ou bien les infrastructures. Amal Maizi, oui. Mohandis Samia Maria, قريت في l'école nationale d'architecture de Rabat. J'ai également fait un master à l'INSA de Strasbourg. Je suis heureuse de participer à cet événement aujourd'hui organisé par l'Ouad Engineering, qui consiste en un événement du BIM, de la conférence BIM internationale, dans le cadre du coup du développement du processus au sein des projets au Maroc. J'ai été BIM manager dans le projet de la Tour Mohamed VI, également aujourd'hui BIM manager chez l'USEO sur divers projets comme la construction de certains hôpitaux, etc. Et donc je voudrais dire aujourd'hui que le BIM, c'est déjà aujourd'hui au Maroc, c'est un train que tout le monde doit prendre et pour lequel qui peut nous apporter énormément de bénéfices si on l'utilise et qu'on l'exploite convenablement dans la durée du projet. السلام عليكم, سي محمد الحراق, مهندس مدني ومدير مشروع في إطار البنايات في المغرب. الانترفونسيون اللي كانت عندنا هنايا مع كابين ارشيتكت العواد بوغ لا تكنولوجي ديال البيم كانت انترفونسيون جد لائقه, وكانوا حتى تشارك وحتى تبادل مع الخبراء اللي عندنا هنا في مجال البناء في المغرب, مهندسين, مهندسين معماريين, مهندسين مدنيين, بروفايدرز دي سو تريتون ديال لي تكنولوجي. هذا الشيء غادي يتمكن لنا باننا نزيدوا القدام فيزافي الاطار ديال البناء والتعمير في المغرب, ما بقاوش في الإطار اللي هو كلاسيكي, نرجعوا حتى حنا الإطار اللي تسميوه البناء 4.0 ان شاء الله. محمد بغاد اركيتكت, جو ديريج لو بيرو اركبيو اركيتكت. نو سوم سبيسياليزي دون لاركتيكتور دورابل اي اوجوردي دون لو كادر دو فوروم دوجوردي اون ا بارتاجي افيك لي بارتيسيپون نوتر اكسبيريونس سور لو رول دو بيم par rapport à l'efficacité énergétique et le développement durable. Et on se rend compte que le BIM, pour la partie énergétique, peut être un tremplin extraordinaire et peut être une opportunité pour notre pays pour pouvoir développer toute l'industrie du bâtiment et en même temps donner, je dirais, un élan à cette industrie du bâtiment qui a quand même du retard sur les autres technologies, à savoir l'industrie aéronautique, automobile et autres.